C'est joli, Beaulieu. Il y a de beaux palmiers. Bonjour, je m'appelle Thomas Houdin, je suis comédien et metteur en scène pour la compagnie de l'Embrayage à paillettes. On va animer une petite conférence qui s'appelle C'est bon de rire de soi, autour de l'art et la pratique du clown de théâtre contemporain, du rire et de l'humour. Alors nous, on est une petite compagnie des Alpes-Maritimes du 06, et en fait, cette conférence, c'est aussi pour expliquer qu'est-ce que le clown de théâtre contemporain, puisqu'on n'est pas nombreux à être dans cette discipline. Et l'idée, donc, c'est de voir à la fois l'historique de cette discipline, mais aussi qu'est-ce que c'est techniquement et artistiquement au travers d'exemples. Et enfin, de revenir sur la notion d'humour et de rire, et voir surtout les mécanismes qui animent tout ça. Rendez-vous le jeudi 4 mai à 19h à la salle André-Compans. Alors, quand on parle de clown, souvent on a l'image du clown de cirque avec ses grosses chaussures et sa perruque orange, ou le clown tueur, ça, de Stephen King. Mais au contraire, le clown de théâtre contemporain, c'est vraiment une discipline à part entière du spectacle vivant. Alors, la conférence sera animée par Nathalie Masseglia, qui est clown de théâtre contemporain depuis plus de 20 ans et qui a justement choisi de travailler sur le territoire des Alpes-Maritimes pour exporter et diffuser la connaissance de cette discipline ici, au local, sur le territoire. Et donc, la conférence sera aussi animée par moi. Mais ça, je sais pas trop quoi vous dire sur moi. Depuis quelques années, je réfléchis sur les mécanismes même de l'humour et du rire, et notamment de la place de la liberté d'expression et des discriminations au sein de l'humour, et de voir comment tous ces mécanismes sont liés et comment on peut utiliser l'humour comme une arme soit discriminante, soit au contraire politique pour dénoncer des choses. Alors, le clown de théâtre contemporain existe parce qu'il a un public. Contrairement au personnage de théâtre, le clown a besoin d'un public pour exister. Il existe au travers, au regard de son public. Et il est obligé de rentrer en interaction avec lui. Du coup, sur cette conférence, on vous demandera de rentrer en interaction avec nous. Petite précision, cette conférence est gratuite, c'est extrêmement important de noter ça. À une époque où le prix de l'essence augmente, l'inflation est de partout, et ben nous, on maintient un prix de gratuité sur nos conférences.